Et hop, tout le monde, les amis, il faut qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment moi, Zenix, qui se plaint toujours que même les 15 mètres, les 18 mètres, c'est trop court, comment moi, je peux me retrouver à conduire un minibus? Non mais c'est fou ça quand même! Bon, en attendant, c'est quand même un DLC gratuit, voilà, sympathique, donc je vous montre tout ça, vous allez voir ça. Mais bon, ça fait bizarre quand même, quoi, merde. Bon les amis, vous allez me dire si ça fait pas un peu trop mafieux comme ça de se balader dans le port comme ça de manière suspecte. Mais non, je suis juste venu aujourd'hui les amis, découvrir ceci. Ceci les amis, c'est le nouveau DLC qui va sortir sur Tourist Bus Simulator, puis sur Fernbus Simulator. Voilà, c'est un DLC gratuit, comprenant donc un minibus, comme vous le voyez, hein, je pense que tout le monde l'avait compris. Voilà, on va descendre. Voilà, on va le laisser ici, le petit range, hein, et puis nous, on va monter dans le petit loulou ici. Alors, on peut soit passer par la porte, mais comme je suis quelqu'un qui est un peu fifou, je vais passer par cette porte. Alors, du coup, on peut pas l'ouvrir, mais on peut accéder au poste de conduite, puisqu'elle est censée en vrai pouvoir être ouverte. Voilà. Et donc, on peut monter par là. Oui, alors ça, je m'étais mis dans une vue qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Donc, voilà. Nous voici rapidement dans le cockpit. Voilà. Intérieur très simple, pas de logo de marque parce qu'il n'y a pas de licence dessus. Le véhicule en vrai, c'est un Toyota. Voilà, hein. Le DLC s'appelle DLC BB40 d'ailleurs. Voilà, c'est pas, ne pas confondre avec BB Rune qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, vue extérieure, voici l'astico. Attendez, je vais quand même vous virer ce truc à la noix là. Ça et ça, on s'en fout les deux là. On s'en fout, on est d'accord. Voilà l'astico, donc un véhicule, donc je vous l'ai dit, Toyota, donc du continent asiatique, qui est préparé pour rouler dans des conditions un peu plus difficiles que celles que l'on a ici. Voilà, on remarque notamment une durite, un tuyau d'aspiration de l'air avec un bloc de filtre à air, je présume, qui ressort en fait du capot moteur. Tout simplement pour être un peu plus, fonctionner même s'il y a de l'eau, voilà, et puis pour éviter qu'il y ait trop de sable, tout ça qui rentre dedans, voilà, machin. À l'arrière, alors c'est pas une caméra de recul, c'est un rétroviseur de recul, c'est assez marrant. On a un rétroviseur de recul, je trouve ça, on me l'avait jamais fait, voilà. Le rétroviseur de recul, je ne connaissais pas. Enfin si, sur les côtés, tu t'en sers quand tu recules, mais genre là, vraiment à l'arrière comme ça, qui fait vraiment le taf d'une caméra de recul. C'est assez, assez drôle, voilà. Donc c'est un minibus qui a 22 places, je crois, d'utilisables. Alors ce qu'on va faire, on va se balader un peu dedans, comme ça vous allez voir. Donc on a le conducteur ici, potentiellement un guide à côté. Voilà, donc ce qui nous fait un siège qu'on peut compter. Bon, je sais pas si on compte, on va compter à la fin. Donc on a 4 sièges ici à l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc tout cela peuvent être utilisés apparemment. Alors à savoir quand même qu'en vrai, c'est ce petit truc là, c'est pas un accoudoir, hein. c'est des sièges qu'on peut rabattre. Alors sur ce modèle là, je sais pas vraiment, mais je présume parce que sur certains modèles c'est le cas. Voilà. Mais dans le jeu, ça c'est pas quelque chose qui est gérant, on est vraiment limité à 22 places. D'ailleurs non, c'est pas des sièges, c'est plutôt pour faire des couchettes, je pense. Je viens de me dire, j'ai déjà vu ça en vrai, ça doit être pour s'asseoir. Mais non, en fait, je me dis, c'est sûrement pour faire des couchettes, je pense. Genre, on peut s'allonger tout dans la longueur, comme ça. Ça doit être ça. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est sûrement ça. Et du coup, tu peux pas caser tout le monde, hein, mais bon. Voilà, et le petit poste de conduite. Donc c'est un véhicule, alors il a son petit charme, hein, parce que c'est... on va commencer à rouler, là. Parce que là, moi, si je commence à parler, on est mal barré quand même. Là. Alors, vous entendez, alors peut-être pas bien super les démarrages là, mais après, vous allez mieux entendre. En tout cas, il fait un boucan le truc. On l'entend, hein, quand il accélère, c'est cool. On l'entend. Voilà, on va mettre la petite vitesse. Alors, on boîte auto, non, ça c'est pas. Ça c'est un marche arrière, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais chier? Je peux pas te la désactiver, cette caméra à la con là. Je sais quand je passe une vitesse, non? Donc il fait du bruit, vous l'entendez, hein. On va laisser passer les petits gens.
On va rouler sur cette petite barre métallique, ce petit rail métallique. Voilà. Hop, et on va se rendre vers le centre-ville avec le petit asticot. Tranquillement, voilà, voilà. Et puis on avisera. Donc, moi, ce que je trouve, ce que je vous disais, c'est que ça, ça a un petit côté quand même véhicule increvable. Les jeux Toyota, machin, de cette époque, ça tenait bien, machin. Il est fait pour rouler dans des endroits, voilà, de ouf, en termes de fiabilité, plus qu'en termes de franchissement. Mais voilà, c'est assez sympa, c'est pas un ralentisseur. Ça fait vraiment un truc sympa. En plus, c'est un vieux truc, au mazout, bien polluant, tu vois. Bon, ça a son petit charme, hein. Ça a son petit charme, d'autant plus que là, dans le jeu, on respire pas les fumées d'échappement, donc c'est pas trop gênant, tu vois. Ça a son petit charme, ça a son petit truc sympa, je trouve. En revanche, donc... Ça glisse. En revanche, on n'a pas la licence Toyota, on est d'accord, mais ça m'étonne pas du tout, hein, parce que sur un DLC gratuit, ça m'aurait étonné qu'il bataille pour avoir une licence. Maintenant, nous pouvons quand même le dire que c'est... Par rapport au reste des véhicules qu'on a sur le jeu et sur Fernbus, pareil, ça fait quand même un peu pas tâche, mais voilà, quand on a notre entreprise, qu'on a que des véhicules tout neufs, machin, tout ça, c'est un peu bizarre d'avoir ça à côté. Alors d'un autre côté, ça fait un peu de rallying parce que il n'y a pas que des véhicules neufs dans les entreprises, hein. Mais ça fait un peu bizarre. En plus, c'est un véhicule exotique, donc ça fait un peu bizarre. Maintenant, voilà, c'est sûrement une touche de réalisme quand même que d'avoir ça. Et ça colle, je trouve, plutôt très bien au cadre de l'île. Voilà. Même si c'est pas le type de véhicule que j'ai envie d'avoir personnellement, j'aurais préféré, je vous le dis, hein, avoir un Mercedes Sprinter. Maintenant, s'il a fallu choper une licence Mercedes, ça m'étonnerait qu'on aurait pu l'avoir gratuitement, le Lastico, là. Et puis voilà, je pense que c'est un petit ajout pour étendre la variété des catégories de véhicules. Plus que pour faire, je sais pas moi, plus que pour faire un autre véhicule d'exception comme nous en avons avec les VDL, avec le Neoplan Skyliner, etc. Bon, l'astico là. Alors quand tu joues au clavier, tu l'entends le moteur, hein, parce que forcément c'est accélération pied au plancher, parce que c'est forcément au clavier c'est on-off. Hein. Là, je rappelle que je joue clavier souris car je suis pas chez moi jusqu'à janvier, que du coup j'ai pas mon volant ni mon PC, du coup je suis sur un serveur en plus pour jouer. Voilà, c'est le bordel. Hein. Voilà. Et alors ce qui est très sympa les amis, et ça c'est un avantage particulier pour Tourisbus, c'est que ça, on va le mettre dans le garage, écoutez, hein, parce qu'il est fait pour affronter des trucs pas possibles que. Hein, faut quand même prendre soin de lui. Alors on a. C'est marrant parce que on a un rétro de recul, mais on a quand même une retransmission sur le petit écran ici. Hein. Et même si c'est pas une vraie caméra, c'est assez marrant. Allez, hop. On va le mettre de ce côté. Voilà. Reculer. Le reculer encore. Stop. Tac. On va ouvrir la petite poporte, on va couper ça. Moteur. Voilà. Et on va se lever avec ceci. Alors. Tant que nous sommes bien installés ici. Alors je sais pas pourquoi je les recule autant parce que ça va pas être très commode pour inspecter un peu l'extérieur. Voilà. Mais c'est pas très très grave. Voici donc. Bon, on l'a déjà vu, hein, mais je vous le remontre un peu en extérieur comme ça tranquillement. Voilà. La modélisation du véhicule, alors on est un peu moins fin peut-être que sur les autres véhicules, hein. Mais ça reste bien sympathique, et ça reste, voilà, pour un DLC gratuit, toujours appréciable, voilà. Remarquez que l'écran a été rajouté avec une ventouse, on comprend bien que c'est pas intégré dans le véhicule de base, et ils ont fait la ventouse, tout ça c'est assez sympathique. Également, voilà, les essuie-glaces, tout ça, bon ça c'est toujours sympa. Les feux, alors ça, les feux, c'est très compliqué dans les jeux. C'est très compliqué parce que c'est des dessins un peu compliqués.
Et du coup, d'arriver à refaire un peu cet effet trop. Enfin, avoir l'impression qu'ils sont en 3D, tout ça. Là, alors c'est pas mal sur les feux d'éclairage. Le clignotant, on voit quand même pas mal que c'est une image, mais bon, dire c'est un peu le problème sur tous les jeux, et on l'a reproché également au Ranch-T sur OTS, etc. C'est un peu toujours le problème. À l'arrière, voilà, ça fait un peu image du coup. Et voilà. Les plaques espagnoles, bon, ça, on est évidemment sur Fuerteventura, donc c'est normal. Regardez-moi ces rétros également. Alors ça, c'est voilà, c'est là aussi qu'on voit que c'est des véhicules un peu exotiques. Hein. Chez nous, on n'a pas trop des trucs comme ça, mais voilà. Au niveau de l'intérieur, alors sur les sièges, on est pas mal. Hein. On a vu ça un peu tout à l'heure. Là, je trouve assez sympa. Je trouve les textures, tout ça, très bien faites. Et les ombres donnent vraiment bien la gestion des ombres du jeu. Pour le coup, là, on en profite bien. On voit bien tous les plis des sièges, etc. C'est toujours ça, c'est toujours par contre sympathique. Et voilà, après on a toutes les ceintures, tout ça bien modélisé, ce petit détail avec ce que je pense être les lits du coup, comme je vous le disais. Et puis on peut remarquer également, alors je peux pas zoomer, c'est un peu chiant, mais on remarque on a un peu comme une rouille en fait, ou des trucs, voilà, on voit que c'est un peu usé au niveau des ferrailles là. C'est assez marrant, voilà, qu'ils aient fait des petits détails de modélisation comme ça. Moi je trouve ça plutôt sympa, après le plafond aussi on a cet effet un peu molletonné, tout ça. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt bien fait. En plafonnier, ici les haut-parleurs. Voilà, et puis le poste de conduite, ben, je vous en ai déjà un peu parlé. Je peux quand même vous montrer au niveau du poste de conduite, un peu toutes les voilà, toutes les petites vues comme ça, avec ce qu'on peut donc utiliser manuellement également. Hein. D'ailleurs, ouais. Voilà, ouvrir ou fermer la porte, bon voilà. Voilà, ici ouverte. La radio qu'on peut utiliser. Les vitesses qu'on peut passer directement avec le sélecteur comme ça en le prenant. Qu'est-ce que j'ai comme vue? Ça, voilà. Donc pour la gestion du chauffage. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus facile à utiliser que ce qu'on avait jusque-là. Parce que c'est vraiment les vieux systèmes que tout le monde connaît quand même. Tu vois, c'est pas... Voilà. Ça se gère bien. Ça, c'est les lumières. Voilà. 7, 8, ouais, non, c'est toutes les vues que j'ai. Voilà, et le compteur classique. Ok. Voilà, quête de porte. Donc maintenant, petit service, un peu pour tester tout ça en situation avec les passagers, voir un peu comment ils s'installent, tout ça. Évidemment. Et donc là, on part d'El Matoral, direction Puerto del Rosario, donc avec passage à l'aéroport, etc. On connaît le service, qu'on va faire que dans un sens, hein, puisqu'on est allé, on a fait un peu la découverte du véhicule avant, ça prend un peu de temps, donc on va pas faire une vidéo très très longue non plus. Voilà. Mais déjà, voilà, pouvoir voir un peu ce que ça donne avec des passagers également. Hop, clignotant, gauche-droite. Y a personne, il te fait un boucan quand il accélère celui-là. Alors normalement j'essaie de régler le son pour pas qu'il fasse trop de bruit. Alors, j'espère que je l'ai pas trop baissé du coup. Hein. Tac, on remarquera quand même que les emplacements du coup restent à la taille des grands bus quand on est avec celui-ci. Alors, donc on va régler du coup un peu tout. Alors, je disais que c'était plus facile de régler ça, c'est un peu oui et non. Hein. Parce que on est quand même... pour le coup, on va mettre un peu de... Est-ce que j'ai fait la broche qu'on peut utiliser? Ventilation. Non, pas de recyclage d'air. J'ai pas mis warning. Ok, donc ça c'est pour... en gros, c'est mon chauffage à l'avant. J'ai l'impression que j'ai des boutons que j'arrive pas à utiliser. Pourquoi on dirait que je clique pas dessus là? Alors ça je comprends pas trop, du coup je vais le laisser. Ok, on va deviner. Mais je suis pas assez intelligent. Donc on va laisser ça, on va prendre les passagers plutôt. On peut donc pour ça activer la petite girouette. Voilà, on est sur la ligne 101 et leur ouvrir la porte. Voilà, on va repasser en vue classique. Classique j'ai dit. Et les regarder un peu monter. Pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressés, oui. Vous êtes intéressés, bonjour, bonjour. Hein?
Donc là, on les voit s'installer, tout ça, c'est sympathique. Enfin, se téléporter sur leur siège, mais on les voit monter quand même pour la plupart. Ils s'installent. Alors ça, ils se sont mis à la queue leu-leu, là. Ils sont bien sages. Très bien. Ben donc, du coup, on va y aller. Alors, c'est marrant parce que... Je sais pas. Bon, moi, j'ai pris pendant quelques années... alors, quand j'étais à l'école... Là, à l'école, à partir du CE2 au CM2, je rentrais chez moi en minibus le soir. Et ça me fait, je sais pas, ça me fait repenser à cette époque. Parce que bah, c'est toujours, je sais pas, c'est un petit truc, c'est un peu plus cosy, machin. Le chauffeur, il est plus pote avec vous, plus pote avec vous, parce que voilà, on est en petit groupe, quoi, en petit comité, tout ça, c'est sympa. Et du coup, je trouve ça assez marrant. Et ça me rappelle un peu cette époque-là. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai envie de les vanner, moi, ces personnes-là qui montent à l'ennemi. Envie de les vanner, la mamie, tout ça. Elles sont sympatoches. Mais je sais pas si ça vous fait pas un peu ce sentiment aussi, mais ça fait un peu, voilà, ce truc un peu plus familial, copain, machin, patin couffin, quoi. Voilà, si vous voyez un peu l'idée du truc. Bon, alors, c'est pas parce qu'on avait un petit asticot qu'on a énormément de patates, hein, il est pas surdimensionné le moteur non plus. C'est vrai que, bon, quand même, ça fait un peu plus voiture, hein. Et je tenais quand même à dire un truc, c'est que ça c'est mon serveur, voilà. Je tenais quand même à dire un truc, c'est que ça fait bizarre. Est-ce que ça vous fait pas bizarre de voir Zenix dans un minibus, si vous voulez? Le mec qui se plaint que les 15 mètres c'est pas assez long, il est en minibus. Connexion, s'il vous plaît, j'ai ma connexion qui s'en va, merci, reviens. Je sais pas, mais moi je me trouve bizarre là, hein. Je me dis il y a une couille dans le pâté. Dis donc la connexion là, mais merde. Bon, ok, on va les faire monter, ça m'a l'air un peu mieux. J'ai changé de réseau. Bien messieurs. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. D'accord, oh non, mais ils sont là à chaque fois là, à se décider à venir. C'est fou ça. Là, ils attendaient que les autres descendent par politesse. Tiens, d'ailleurs, là, il me manque un peu de... Je peux pas, avec mes boutons comme je les ai réglés, là, je peux pas tourner la tête assez pour voir ce qu'ils me font, les asticots. J'ai de me mettre comme ça. Allez, on peut refermer la porte. Et prochain arrêt, Puerto del Rosario, terminus. Voilà. Ligne à 3 arrêts, c'est pas très long. Hein. Hop, je vérifiais si j'avais bien réglé mon... comment ça s'appelle? Ma direction. Voilà. Allez, direction l'infini au-delà, les amis. On va ramener tout ce petit beau monde sur l'île de Fuerteventura. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'il y a quand même souvent... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais moi, c'est l'image que j'ai de par les films, en fait. Que sur ces îles, tout ça, ces trucs touristiques, quand t'arrives à l'aéroport, c'est pas des gros quarts de voyage qui viennent te chercher, mais souvent pas mal des minibus. Et c'est vrai que ça colle aussi également à la map. Je roule comme un gueudin. Ça colle également en théorie pas mal à la map d'avoir des véhicules plus petits, etc. Voilà. Après, voilà, moi, c'est vrai que moi. Ben, comme je vous le disais, ça me fait un peu bizarre, quoi. Je trouve ça un peu petit. Voilà. Bon, tout à fait honnêtement, je les utiliserai pas. Je n'utiliserai pas ce véhicule. Parce que voilà, moi c'est pas ce que je veux, mais après je sais qu'il y en a qui voulaient des minibus, tout ça. C'est sympa d'en avoir, c'est sympa pour la flotte d'en avoir. Et c'est intéressant également économiquement quand vous commencez une partie sur le jeu, parce que, ben voilà, d'occasion je l'ai payé 16 002, je crois, celui-là. Connexion. Je crois, la distri et les pneus à faire. Et c'est tout, quoi. Genre, le véhicule, comme ça, il est prêt. Bon, il a presque 300 000 bornes. Mais bon, de 1, il est un peu increvable. Et puis, dans le jeu, de toute façon, il va pas crever. Donc, voilà, quoi. On s'en fout un peu. C'est intéressant. C'est intéressant aussi pour ça. Voilà. Si vous voulez pas trop vous faire chier ou faire un peu de fric dans le jeu, c'est un bon plan, je pense. Parce que je pense pas, sur le fonctionnement du jeu tel qu'il est actuellement, je pense pas que le nombre de passagers que vous transportez influe le prix. Et de toute façon, sur les lignes régulières que vous prenez dans le jeu, vous pouvez foutre ça, le jeu il va rien vous dire. Il va pas vous dire qu'il n'y a pas assez de place, je pense, donc vous risquez pas grand chose. On va ralentir un peu à cause du radar. Hein. Je me suis fait prendre 2 fois au radar parce que j'ai dû finir de préparer la partie là, que j'avais pas fini de préparer depuis la dernière fois là.
Je rappelle que vu que je suis pas sur mon PC habituel, eh ben j'ai pas pensé à prendre ma sauvegarde. Donc je dois tout recommencer. Voilà, mais je la retrouverai après en revenant en janvier. C'est pour ça aussi que je joue pas trop sur Tourisbus en ce moment. C'est parce que voilà, j'ai envie de retrouver ma partie. On avait une entreprise prospère, voilà, et puis j'ai envie de la retrouver et de la reprendre. Voilà, j'ai pas envie d'en commencer une nouvelle, se relancer dans un truc. Voilà, donc l'autre elle a son histoire et elle a des épisodes qui retracent un peu son histoire sur la chaîne. Donc voilà, moi c'est ça que je veux continuer, quoi, du coup. C'est ça que je veux continuer. Voilà, voilà. Hop. Allez, donc on va arriver au terminus, enfin presque au terminus, hein, puisqu'après il y a le retour à faire. Mais nous, on ne le fait pas. Hein, voilà. On a déjà fait la bonne moitié du service. Hop. Touc, frein de parking, on va leur ouvrir la porte. On va les regarder descendre. Moi, je vais faire un petit screenshot. Je vais pas le faire ici parce que j'ai des petites marques au sol, mais voilà. Et on va tranquillement se laisser là, les amis. Mine de rien, c'est aussi intéressant pour une chose, c'est que ceux qui aiment pas trop avoir avoir des bus roulés avec des véhicules vides, parce qu'il n'y a pas beaucoup de passagers, machin, là, il va se remplir un peu plus facilement, donc c'est pas mal. Et c'est assez intéressant, voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, ce petit DLC, tout ça, machin. Voilà. Nous, on se retrouve... Il était temps de s'arrêter, là, parce que j'ai mon serveur qui pense, tac. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, pas forcément sur Tourisbus, mais une nouvelle vidéo, quand même. Le DLC, je le rappelle, une dernière fois, sortira donc gratuitement sur Tourisbus et Fernbus Simulator lors de la prochaine grosse mise à jour. Voilà. Donc, c'est d'ici quelques semaines, probablement. Voir un peu plus. Voilà. Il faudra un peu patienter, c'est un DLC gratuit. Voilà, donc y a pas, on n'a pas particulièrement d'attente dessus ou quoi, mais voilà, c'est toujours sympa. Et je profitais que TML me l'envoie pour vous le montrer. Voilà, voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, d'être restés jusqu'à la fin. Vous pouvez, dans votre commentaire, mais ne mettez pas juste un commentaire avec ça, me mettre un petit smiley. Il y a quoi comme smiley? Un smiley, une pêche. Voilà, pour vous montrer, savoir que je vois qui c'est qui est resté jusqu'à la fin. Et puis voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous, c'était Zinx.